Tu veux faire un coucou? Hello les gars. Non. Oh. Oh. Hi, pardon. Il est parti ou pas? Non, je sais pas. Oui, il est parti. Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve avec grand plaisir avec Moni. Salam alaikum. On se retrouve avec Moni pour faire une activité qui est vraiment trop cool en vrai. C'est et on a énormément de chance. C'est beau là. Ouais. Parce que ce matin il pleuvait, il a plu au moins pendant 3 heures. Des grosses cordes, ouais. Et là du coup il fait très beau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors là actuellement je me dirige vers le Super U de Grand B. Ouais. De Grand B. Et le challenge c'est de trouver des Kinder Pinguis. Et de la bouffe bien sûr, c'est ce qu'on va manger ce soir. Parce que ce soir je vous dis pas où est-ce qu'on va. Oui. It's going to be fun. On va vous donner plus de contexte en temps et en heure pour vous compreniez aussi c'est quoi la démarche derrière notre activité de tout à l'heure. Parce qu'il y a une vraie signification. Ouais, il y a un symbole, il y a ouais. du memory, il y a de l'emotional. Ouais, il y a un clin d'œil. Bref. De toute façon, on vous dira. Je peux pas me mettre mieux parce que le truc est en bas là. Donc là, direction Super U. On va acheter les quelques trucs pour manger pour ce soir. Yeah. Et après, et Moni, juste avant, qu'est-ce qu'elle nous racontait? Je vais vous raconter une anecdote. C'est une anecdote qu'il faut absolument que je vous partage parce que ça fait 2 fois que ça me le fait. Et Moni, elle a fait un TikTok qui était super drôle dedans. Je vais vous mettre le TikTok d'ailleurs maintenant. MDR. Ça arrive trop. Genre, tu sais, tu regardes dans le vide, t'es comme ça et tout. You mind your own business. Really? Après, c'est trop gênant. Et en fait, ça nous fait galerie parce que ça vient de lui arriver là à l'instant, encore. Ouais, ouais, c'est ça qui est drôle en fait. C'est que vraiment, c'est accurate à la mort là, le TikTok. Ça me bute. De quoi on a besoin là tout à l'heure? En fait, ça dépend de ce qu'on mange, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Moi, parce que moi, je pensais faire le. Ah, j'allais liker. Mais tu peux le dire un peu, on verra si vous arrivez à deviner exactement de quoi il s'agit et tout. Attends, et tout. Tu sais quoi? Je vais faire un truc qui est très très drôle parce que toi tu sais accès à exactement de quoi je parle, mais eux non donc. D'accord. Le ski, déjà de base, quand on y va, il faut des triangles. Bah, mais oh, je pense tu viens de te prendre un papillon hein. Ouais, je l'ai vu, mais. fallait pas voler dans moi. T'allais dire chier. Fallait pas me chercher. Ouais, pardon, je Il faut des triangles, donc pourquoi pas faire des triangles nous-mêmes, tu parce vois, qu'il n'y aura pas de donut, tu penses ici. Hein. Non, mais c'est mieux, je pense, de triangler nous-mêmes. Quoi. En sachant que les triangles, on a chacune des envies particulières. C'est pour ça, donc c'est bien, tu vois. On peut même aller à l'artigiano chercher du vrai. Bah, c'est bien ça qu'il te faudra, toi. Bon, après, on peut d'ores et déjà. Mortadelle. On peut d'ores et déjà aller au London Way là-bas. On prend. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de Kinder Pinguis là-bas. Eh ben, justement, on fait ça. Bon, je peux pas vous mettre mieux que ça. Hein. Là, je suis vraiment comme. On va à l'artigiano. Mm-hmm. On prend la charcute. Mm-hmm. Une fois qu'on a pris la charcute, on va au London Way. Non, ouais. On fait l'inverse. On va d'abord au London Way. D'abord London Way et on revient. Et après, on fait l'artigiano. Et après, on va à Super. Mais comme ça, on peut se prendre. Ah non, c'est bon, il m'en reste encore. Donc, on a juste une seule règle, c'est d'être à l'endroit précis à 18h et quelques. Oui. Bah... Et là actuellement il est 16h20 donc on est bien. Alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait des triangles, il y avait du Kinder Pinguis, il y avait un petit paquet de chips individuel, il y avait des fois il y avait les yaourts à boire là. Ouais, les bon toi tu peux pas en prendre. Mais après il y en a pas à moi. Ah ouais? Ouais, il y a pas. Il y a pas d'actifs. Aïe aïe aïe. En tout cas, on a une belle liste de courses. Ouais, c'est pas mal là. Et ouais, ça. Et les boissons, bon bah ça... Ah bah là, ça va être un petit cucumber. Allez, RDV aux courses. You've been loving something that you always wanted. A loaded question but you're messing cause you're never honest. Every time I talk about it, you just get up and go. Alors, tu préfères le Macroot ou le Soncroot? Moi je préfère le Soncroot. Soncroot. Dedans par exemple, on est... Cause you've been talking to me, cause deep down you know that you breathe us up bad enough. You wanna talk just a little more, cause it ain't over till it's out of your head. Il y avait pas des trucs comme ça aussi, les Capri-Sun? Celle-ci c'est la meilleure parce que. Mais c'est pas tout. Et ben voilà! Potatoes, olive oil, in
rendez pas compte, hein. En France, quel plaisir la charcuterie. Pas demain, du coup. Parce que demain, on va au bateau. Allez, hop. On est bien arrivés. C'est l'heure de faire à manger. On se lave los manos. Et ben voilà. Ça fait longtemps que je sais pas. Sentis du pain. Sentis du pain de mie. Allez, moi je me mets tout vert. Alors déjà, avant tout, qu'est-ce que ouais, c'est bon. On arrête de faire la timide, c'est bon. Ouais, ça me fait penser, ça me fait pas trop penser. Ce serait pas une phrase que Gérard Depardieu pourrait dire. Ouais, c'est vrai. Ah, la farcine. Tu l'as vu le mec sur TikTok, tu n'arrêtes pas de l'imiter. Non, moi j'ai vu ma pupus et Awa sur TikTok. C'est une meuf, elle me fait trop tâte. Bah oui et non. C'est une meuf qui est un petit peu grosse et qui m'en fait plus. Bah elle. Honnêtement, elle en joue un petit peu. Elle est exécrable avec son mec. Ah, oh, mais c'est la blague. Ouais, j'ai trop la peine quand il veut manger. Il dit c'est bon pour toi là. Moi je pense qu'elle s'est un peu excitée, mais en même temps elle a l'air malheureuse. Tu vois, bah, je pense qu'elle en joue un petit peu. Vous mettez que d'un seul côté ou des deux? Moi j'ai toujours le côté. J'étais pas sûre d'elle. Comme il est un petit peu fondu là à cause de la chaleur, je me dis bon. Ah ouais, ah, c'est une dinguerie. Pose bleue. Ah. C'est machiavélique, parce que c'est. Après, on coupe en deux, ça fait deux triangles. Et qu'est-ce que ça fait? Des sandwichs donuts. Oui, parce qu'il n'y a pas ici. Ouais, il n'y a pas ici. Parce qu'il n'y a pas là. Regardez ça, les gars. C'est mieux que chez Donna. C'est chez Dina. C'est une private joke. Je vous raconterai tout à l'heure, vous allez comprendre. Là, c'est beau, hein. Tout le reste est au frigo. Et on va se mettre en route. Pour... Vous savez pas encore quoi, mais vous allez bientôt le savoir. C'est parti! Là, on court attraper le coucher de soleil. Franchement, je suis désolée par contre, mais ça sent le barbecue et c'est trop agréable. As the sun slowly crept into the sky, c'est assez idyllique quand même. Sounds of birds in harmony. J'avais pas prévu qu'on fasse un trajet de la mort, sinon j'aurais pas mis ces godasses. Stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Walking in cold nights with your head. Regardez-moi ça, les gars. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais. Tu vas avoir trop peur. Allez hop, on y va, mission réussie. Là c'est vraiment le trajet, genre on vous a montré à quel point c'était bien d'aller se faire un coucher de soleil, mais est-ce qu'il y en a qui vous montrent que après faut faire ça? Je suis pas sûre. Je suis pas là pour rabaisser les autres, hein. Je dis juste que c'est bien beau de faire un coucher de soleil, mais après il faut assumer, hein. Voilà,
Faut juste être au courant que les belles choses, ça nécessite un petit peu de difficulté, quoi. Ça se trouve, là, il y a un cafard depuis tout à l'heure. On marche dans les buissons, il y a un cafard. C'est quoi? Oh, Bernard Marmite. Bernard Marmite. Bernard Marmite. Oh non. C'est marrant quand il se déplace. Ah, bah, toi, t'es arrivé, direct, il a sauté. Moi, j'y vais en marche arrière, alors. Aïe. Colantose. Mais c'était déjà comme ça tout à l'heure. Ça, c'est l'épreuve du muret. Bon, les gars, là, ce que je fais, vraiment, c'est n'importe quoi. Hein. Voilà. C'est une très mauvaise idée, ce que je fais, parce qu'en fait, j'ai vraiment le flash dans la tête. Donc, je ne vois pas. Mais bon, au moins, vous avez vu un petit peu. Allez. C'est bon ? Ok, super. T'as besoin d'aide ou ça ? Oula. Donne-moi le truc, non ? Ça va. Oh putain, trop facile. Oh non. Vite. En fait, quand l'eau, elle, la vague, elle arrive, on est à deux doigts. Ah ouais, ça y est. My god. Ah ouais, Krusty Krab. Il y en a, il a sauté dans l'eau là. Ouais, alors ça, c'est trop triste, c'est que quand tu rentres, il a plu, qu'il fait humide, ou enfin, il fait tout le temps humide à Maurice, mais... Et du coup, quand il vient de pleuvoir ou quoi, sur la route, c'est plein soit de grenouilles, soit d'escargots. Des grenouilles. Là, c'est des grenouilles. C'est des grenouilles. Oh non. Je me demande pourquoi je mets sur la route, parce que vraiment, c'est mieux de l'autre côté, non? Ouais, j'essaie de traverser. Genre, y a vraiment full verdure et là... Putain, la dernière fois sur Fast Pass, j'en ai écrasé une, la sensation sur le pneu, la sensation, elle était horrible. Ça, j'étais traumatisée pendant un petit moment. J'ai dit arrêt, me conduis parce que je peux pas là. La peine. Réellement pourquoi on a fait cette soirée avec Mio. Parce que du coup, comme vous pouvez vous en douter et comme vous l'avez vu, on est rentré. Après, on est allé se poser à la piscine chez moi sur les transats et on a longuement parlé. Ce qui fait que on n'a pas pu vous dire au revoir. Mais on avait une bonne raison à ça. C'est parce qu'on a passé une tellement bonne soirée qu'en fait, il n'y a plus rien qui existait autour de nous. C'est bête à dire, mais parfois, ces petits moments où t'es un petit peu coupé du monde et... En fait, t'es juste pris dans tes pensées, tu regardes les étoiles et tu laisses juste ton esprit divaguer. Ça nous manque parfois parce que malheureusement, on est pris dans nos boulots avec les réseaux sociaux. Tu peux avoir des trains de vie un peu à 100 à l'heure, donc malheureusement, tu te rends même plus compte et tu prends plus le temps de penser. Et du coup, quand je suis rentrée, que je suis allée me laver, que j'ai mis mon peignoir, que j'ai fait ma skincare, je me suis sentie hyper apaisée parce que déjà de une, j'ai passé une super bonne soirée et parce que de deux, en fait, il y avait une espèce de reconnexion avec moi-même. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais une reconnexion avec moi-même et avec Moni et ça m'a fait hyper hyper du bien. Et du coup, pour vous donner un petit peu de contexte, quand on était plus jeune, on avait pour habitude quand on faisait des sorties à l'école, qu'on allait au ski surtout. C'était vraiment quand on allait au ski. Et notre maman nous faisait un repas où justement c'était sandwich triangle avec Moni. Pour le coup c'était Moni c'était saucisson cornichon. Et moi mes préférés c'était jambon beurre. Et notre petit frère c'était mortadelle. D'ailleurs. Mais bref, tout ça pour dire que du coup on a essayé de se faire un pique-nique avec tout ce qu'on aimait et se rappeler aussi de ces souvenirs qu'on a eu avant, de ce pique-nique que notre maman nous préparait, qu'aujourd'hui on se prépare parce que du coup malheureusement avec la distance, maman tu peux pas nous préparer nos petits pique-niques, mais du coup on y a mis autant de cœur que ce que notre maman elle faisait à l'époque et on a en fait je sais pas si vous aussi ça vous le fait mais je pense que ça doit le faire à tout le monde. On associe beaucoup des saveurs à des moments. Et du coup, ça nous a rappelé ces moments où on allait au ski et on dégustait notre petit sandwich, qu'on allait au ski et qu'on mangeait le Kinder Pingouin,
On allait au ski, on a vraiment fait c'était le starter pack du ski quand on était plus jeune. Et c'était trop bien, vraiment de se retrouver dans cet environnement-là où il n'y avait plus rien qui comptait en fait. La seule chose qui comptait, c'était nous. Et on a parlé de tellement de choses que c'était trop bien. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse davantage, et d'ailleurs c'est ce qu'on s'est dit. On doit le faire parce qu'on a besoin de le faire. Ça aurait été moins symbolique et différent si on l'avait fait avec un autre repas. Donc vraiment, je suis hyper contente. Les sandwichs triangles, c'est sous-côté. Voilà, je le dis. Moi, j'adore ça. Après, j'ai toujours eu des goûts un petit peu spéciaux. Hein. Pizza surgelée, j'aime bien. Voilà, bon, bah écoutez, c'est mes goûts, j'assume. Même si je préfère les produits frais, évidemment, j'adore et c'est comme ça. Mais bref, en tout cas, je suis trop contente d'avoir passé ce petit moment-là avec Monu. C'est sur ces belles paroles du coup que je vais vous laisser. On est samedi soir, il n'est pas très tard. J'allais me faire une petite camomille. Demain, on part en journée bateau. Évidemment que je compte bien vous filmer ça et vous le partager. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci comme d'habitude d'avoir passé ce petit temps avec nous. Allez, bisous tout le monde. You're young and fragile, like a bird in the sky. And I'm old like gravel, I've been kicked around too many times. I'd never hurt you if I could, so you let your guard down. You're like a glass of water.